Il n'a jamais mangé McDo de sa vie. Ah ouais, c'est tellement bon, t'en pleures. Quoi? Non, tu fais exprès, gros. Ok, salut la team, je suis avec aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je suis avec le frérot Seyar. Vous le connaissez, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Je suis avec Ikalex, les gars. Juste une phrase. Il n'a jamais mangé McDo de sa vie. C'est exceptionnel, en vrai. C'est inadmissible. Non, en fait, c'est pas à ce point-là. Bref, on va lui faire goûter du coup McDo, nous les influenceurs du McDo. On lui a pris un menu McFirst au poulet, frites. Et il lui a pris avec une boîte de 4 nuggets. Non, vraiment, la vérité, ça fait grave longtemps que j'ai pas mangé McDo. Et je vous jure que je mens pas. Je me la tape sur la main. Je sais pas, ça fait quelque chose de mettre la tape sur la main. J'ai dit la tape sur la main. Bon appétit à tous. Bon appétit. Martin, et toi, si tu veux, prends une petite soirée. Ça se voit, les gars, il est un peu plus à fait. J'ai faim. Bon, il a, ça se voit, il est. Et dans les débuts de la vidéo, regardez bien au tout début, rien que début, je suis sûr que j'ai pas vu, mais à sa tête, il devait être en mode dépêche-toi, fais tourner trop vite, j'ai qu'une envie, c'est de graille. Vous savez, c'est qui ceux qui suivent la chaîne? Les gars, juste une phrase. J'avoue, on a grave faim, les gars. Oui, parce que très important, nous sommes à 80 minutes chez nous. Nous sommes au fin fond perdu de Saint-Michel, chef. Deux fois chef, c'est très important de retenir. On a testé un Airbnb, ça en fait, si on est derrière, vous voyez, c'est un avion et on dort dedans cette nuit. Gros, on est maudit avec l'Airbnb. Aujourd'hui, nous allons dormir ici. Donc, allez voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vu. En fait, en gros, les couverts McDo, c'est toi qui vas les construire avec. Là, il y a des plans. Tu peux faire une fourchette avec. Ça, c'est vraiment ma sauce préférée, la sauce deluxe, elle est incroyable. Avec les nuggets, incroyable. Est-ce que déjà la boisson elle est bonne? Il a pris un Coca Zéro, monsieur, attention. C'est meilleur, c'est moins bon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il a dit, il respecte rien. Attends. Ah ouais, il vient de goûter une frite, gros. Je suis tout excité. Non, t'aimes pas? Non. Non, gros, tu fais exprès là, c'est un prank. Non. Genre, c'est pas bon. Bah, ça je mange, mais c'était pas. Mais je suis déçu, vraiment, j'ai l'impression d'être le fondateur de McDo, gros. En mode, il touche à ta sensibilité. Mieux. Ok. Mieux. Essaye avec cette sauce. Non. Mec, ça me tue vraiment un testeur du McDo. Tu sais que le McDo, là, ils vont te défoncer ta race. Attends, j'ai demandé l'odeur aussi. T'aimais bien l'odeur? Parce que l'odeur est incroyable quand même, non? Non plus. Non plus? Moi, ce qui goûte quelque chose, c'est les nuggets quand même. Parce que les nuggets, on est d'accord. Je suis désolé pour les végétariens et tout. Parce que même moi, en vrai, ça me fait de plus en plus mal au cœur de manger de la viande. Mais c'est vraiment trop bon, je suis désolé. Non, donc, j'assume les nuggets quand même. Ouais, donc j'assume d'être un connard en vrai, mais c'est pas bien. Bon, vas-y, les nuggets, gros, goûte. Imagine. Oh. Il y a la pression. Ah, tu es dégueulasse. Quoi? Non, tu fais exprès, gros. Il joue la comédie. Non, tu joues la comédie, gros. Il avait prévu le coup. C'était dégueulasse. Gros, c'est pas possible, gros. Mec, il a croqué dans le nugget, il a dit c'est dégueulasse, frérot. Non, il y a un problème dans ça, gros. Non, mais pas à ce point. Non, c'est pas humain, non. Non, vraiment, non, t'en rajoutes, frérot, c'est impossible. C'était pire que ça. Pire que les frites. Attendez, parce que là, la vidéo, elle va vraiment se terminer trop vite, là. Tout est dégueulasse pour lui, là. Non, mais est-ce que t'en rajoutes ou pas, la vérité? Dis-le, vraiment. Ouais. Je peux? Ouais. Je vais juste vérifier s'il est normal. Oui, gros. Je sens en mode professionnel que le son est bon. Le son est bon. Mais gros, par contre, ça me fait chier vraiment s'il aime pas, le pauvre, il va manger quoi? Au pire, il y a plein de chips et tout, mais bon, c'est relou quoi. Ouais. Enfin, faut dire aussi ce que t'as l'habitude de manger pour pas. Ouais, j'avoue, attends. Genre, quand tu manges dehors, tu manges quoi? Pizza au fromage. Pizza au fromage, ok. Des hamburgers, tu manges? Non? Steak frites, et puis c'est bon. Après, les gars, moi je trouve qu'on peut pas, genre, dire. Ouais, l'alimentation, en fait, on est trop différents sur l'humain, sur l'alimentation, quoi. Laisse-moi manger, s'il te plaît. Non, mais il y a des trucs, moi, genre que je dis aux gens... Il commence à sortir sa philosophie. Mais c'est vrai, là, c'est pour qu'il y en a plein, ils vont être devant leur caméra en train de dire « Wesh, il abuse, il en rajoute. » L'avocat, je déteste de ouf, alors qu'il y a des gens... Par exemple, tout le monde aime Anthony, mais moi... Ah, d'accord. Non, vas-y, l'hamburger, gros, je veux que tu le goûtes, mais par contre, mec, je stresse, vraiment, j'ai l'impression qu'il va... Maintenant, gros, il aime pas de la boisson aux frites, il aime rien, gros. Les sauces, elles sont bonnes, quand même. Ketchup, ouais. En gros, moi ça me fait chier, le pauvre, il a dépensé de l'argent pour rien, là. Il aime pas. T'inquiète, je suis blindé. Il a dit quoi? Il a dit t'inquiète, je suis blindé. T'inquiète, je suis blindé. Il a dit ça? Ouais, mais... Ok, bah les gars, vous savez quoi, il est blindé. Donc, mettez dans les commentaires votre fast-food préféré et on choisira le meilleur et il vous donnera 600€ en PayPal, ok? Mettez en commentaire votre meilleur fast-food. Il va vraiment le faire, hein, je rigole pas. Hein. T'inquiète si je peux le référencement. Salut! Mais même des fois, ma mère ou quoi, ça m'arrive. Parce que ma mère, en fait, elle mange jamais à table. Je l'explique, ma mère, c'est la plus relou. Elle mange jamais à table, mais quand on prend à manger, elle vient, elle fait c'est quoi ça? Et elle prend comme ça, gros. Et là, un jour, j'avoue, je me suis vraiment énervé, gros. Mais tellement que je suis un gros porc. Désolé, maman, sur la vidéo, mais t'as élevé ton fils en aimant trop la bouffe. Là, j'allais dire la bite ou je rêve. Je vais pas vraiment retenter l'initiative, gros. Ouais, grave, fais-moi plaisir. Ouais, ouais.
Marat, à cause de lui, j'ai l'impression qu'ils ont un goût bizarre, non, moi aussi, maintenant. Non. À cause de lui, j'ai l'impression qu'ils ont un goût bizarre, maintenant. Non, pas du tout. C'est vrai que chez nous, on a été habitués, tu vois, on avait beaucoup de fast-food à côté. Et nos parents, bah, enfin, je pense que tes parents aussi, mais ta famille, moi, tout le temps, c'est fast-food et tout. Dites-vous juste, hein, quand j'étais petit, mes parents, dans mes bibibons, ils mettaient de la grenadine, frère. Dans quoi? Tiens, donne un message à mes parents, s'il te plaît, si regarde la vidéo. De la grenadine. Pourquoi? D'un côté, j'ai vécu ma meilleure vie avec ma grand-mère qui me faisait tous les midis des plats de ouf. Mais au fond. Ça se voyait. Il mangeait bien. Pour ceux qui ne savent pas, avant je ressemblais à ça. Désolé. Bon, gros, on attend tout ce moment là. Ouais, là il a du Parce que là, depuis tout à l'heure, nous on parle, les gens ils s'en foutent de nous. Là, ils veulent juste aller. Attends quoi? Attends presque. Attends presque, toi. Moi, McDo, c'est ma vie, gros. Il a dit c'est ma vie. Là vous me voyez peut-être un peu plus avec les jouets et tout parce que justement j'ai fait des conneries mais là je suis en train de perdre du poids. Il a dû un peu délaisser aller mais là je suis en train de perdre du poids. Mon physique actuellement il ressemble à ça. Bah, non, je ne pas gros. Le watch time il va descendre. Pas ça. Mais restez abonnés et vous verrez, venez sur mon Instagram, vous allez voir la photo de ouf que je mets cet été. Tu vas voir. Ouais, ouais. Vous allez voir. Ouais. Vraiment c'était par contre voilà. Parce que mon meilleur physique que j'ai eu quand même c'est ça. Je regrette tous les jours de plus avoir ce physique. Les gars, j'ai un truc à faire, c'est important. Là. Tu appelles qui? En fait, je suis venu tout à l'heure commander chez vous avec des amis et j'ai un ami qui a goûté pour la première fois McDo et il a pas aimé. Comment je dois réagir? A few moments later. Oh non! Mais attends, t'as appelé quoi? McDo, gros, là on a été tout à l'heure, gros. Mais c'est ça. Moi je me suis dit la meuf. Mais la meuf, qu'est-ce qu'elle en a fait? Mais elle va jouer dans mon truc, elle va être là pour défendre la publicité de McDo quand même, dire non, c'est incroyable, c'est trop bon. Good, s'il te plaît, gros, allez, vas-y, là, fais-moi plaisir. Mais moi j'ai goûté de moi. En même temps que toi, gros. Vas-y. Jamais mangé McDo, moi non plus. Tu crois que dès qu'on va allumer la cam, ils vont savoir qui n'a jamais mangé McDo? Oh mon dieu, non, mais non, rajoute pas Alexis. S'il te plaît, dis la vérité, j'en peux en marre au bout d'un moment, là c'est trop là. Attends, ok. S'il te plaît Alexis, s'il te plaît, allez. Oh, je suis stressé. En vrai, bah, le poulet c'est bon, mais le pain il dure un peu. Mais en vrai, ça va, c'est parce qu'il fait froid, parce que... Ça refroidit. Parce que ça refroidit, oui. Mais sinon non, il est chaud. Bah, c'était mieux que tout, on est déjà. Oh, j'avoue, je m'en voulais un peu quand il disait que c'était dégueulasse. Ouais, c'est une vidéo, on parle que de bouffe, hein. Dites-moi si vous aimez bien. Parce que les gars, ce que je voulais faire aussi, c'était faire pareil à mes grands-parents. Leur faire goûter au tacos ou alors McDo. Oh, ça pique. Ah, c'est pareil, pas de soucis. Il s'excuse, il avait tombé ses lunettes. Tu peux arrêter de nous dégoûter, s'il te plaît. Attends, bah... Attendez, pause. Il faut s'abonner aussi, non? Ah oui, ah. Ah, c'est l'alarme. Ah oui, attends, ça dit quoi le réveil? Mettez la cloche, ah ça ouais, sonne. Merci. Ah, mes potes, ils sont en train de jouer, c'est des influenceurs, les gars. Non. Il va goûter un dessert de chez McDo. On aurait pu faire, on est des connards, à McFlurry. Ouais, c'est vrai. Bon, bref. Pardon. C'est pas grave, je pense que c'était dans ton environnement. Vous vous rendez pas compte, mais là, autour de nous, il y a plein de gens. Je suis là à côté, je suis désolé. Pardon. J'avais trop envie, j'ai toujours envie de me lever, gros, vraiment faire. Je suis désolé à tous. Vraiment, j'ai trop envie de le faire, gros, tellement que je suis gêné de ouf. Du coup, il va goûter un cookie du McDo. Un petit bout, parce qu'on sait qu'il va pas aimer. Si, tu vas aimer. Franchement, là, gros, c'est bon, stop. Là. Ah, c'est fondant. Oh my god, donne-lui la moitié, gros. Non, moins que ça, hein. Bah, en vrai, ça passe, ça. Ah. Non, merci. Bon, du coup, débrief de cette vidéo, il a adoré. Enfin, non, que je raconte. Il a aimé le burger, il n'a pas aimé les nuggets, il n'a pas aimé les frites. Il a pas aimé les potatoes, il a pas aimé la boisson. Il a dit ça passe. Ah, il a dit ça passe, pardon. Pour moi, c'est pas vraiment aimé, ça passe. Quelle note donnerais-tu à McDo? Bah ouais, tout sur 10. Bah, il y a deux trucs. Fais attention, réfléchis bien à ce que tu vas dire. J'ai aimé, puis deux trucs que j'ai pas aimé, donc 5 sur 10, quoi. Ça va, tu m'attendais à pire, ça va, merci. Je pense qu'il avait faim de la commune. Merci, en mode dans le note, lui, c'est son resto. Ça va, merci. Ouais, depuis le début de la vidéo, je te jure, tu verras ma tête sur la caméra quand il goûte, je suis pas bien gros. Best of de tous les moments où je suis stressé quand il va goûter les trucs. T'aimes pas? Non. Oh. Oh mon dieu. Non, mais, non, rajoute pas Alexis. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous avec Alex, abonnez-vous. Ouais, c'est gare. J'allais dire Joker, je sais pas pourquoi frère. Allez, bisous, prenez soin de vous. Ciao la team. Abonnez-vous. Bisous. Oh, il aime pas le McDo.
j'aimais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la.